Bonsoir et bienvenue à ce webinaire sur l'entrée à la maternelle. On est déjà le 17 juin 2020 et puis malgré le confinement, malgré la situation actuelle, on pense vraiment à ce qui va se passer pour la rentrée de l'année scolaire 2020-2021. Oh, bonjour tout le monde. Donnez-moi juste une seconde. On veut juste arranger un petit problème technique. On revient. Ça ne sera pas bien long. Merci. Désolée pour cette interruption. Nous allons reprendre maintenant avec le surintendant Jean-François Barre. Bonne soirée. Merci Geneviève. J'espère qu'on m'entend cette fois-ci. Désolé, semblerait que le son n'était pas bon. Je ne voulais pas mettre mes écouteurs, mon casque d'écoute, mais si on me dit que c'est pour que vous entendez mieux, comprenez mieux la présentation de ce soir, ben, je vais le faire pour vous. On me dit que le son est bon, donc... Bien, je vais vous re-souhaiter la bienvenue. Bienvenue dans mon salon. Merci de nous accueillir, le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est, chez vous ce soir. C'est avec grand plaisir qu'on va aborder plusieurs questions au niveau de l'entrée à la maternelle. Et puis, j'ai bien hâte là, de passer à travers toutes sortes de sujets avec vous. Mais sans plus tarder, j'aimerais souhaiter la bienvenue au conseiller Daniel Boudria, conseiller scolaire au Conseil, qui va nous adresser quelques mots avant de commencer notre webinaire. Conseiller Boudria, à vous la parole. Et puis, semblerait qu'on est mal parti. Là. Je ne vois pas, je n'entends pas non plus le conseiller Boudria. Je sais qu'il est tout prêt. Donc, le voilà. Conseiller Boudria, on vous accueille à votre tour dans mon salon. Merci d'être là. À vous la parole. Merci beaucoup, Jean-François, puis mes excuses pour la difficulté technique. Donc, bonsoir, chers parents. Mon nom est Daniel Boudria, je suis le vice-président du conseil et le conseiller scolaire pour Cumberland. Et je suis très heureux d'être parmi vous virtuellement ce soir, à partir de chez nous, dans vos salons, dans vos maisons, pour assister à cette belle initiative du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. L'entrée à la maternelle représente une étape importante pour votre enfant, pour votre famille, pour nos familles. Puis en plus de procurer de la fierté et de la joie à nos petits et aux parents, elle est source, cette rentrée, de plusieurs questionnements et la raison pourquoi nous sommes ici ce soir. Donc, plusieurs parents s'interrogent, particulièrement dans le contexte actuel avec la pandémie, à savoir quoi faire pour garantir une transition en douceur vers la maternelle et avoir confiance que notre enfant est bel et bien prêt pour cette nouvelle étape dans sa petite vie. Donc, ce webinaire ce soir vise à vous outiller pour vous préparer à cette belle et grande aventure qui est la rentrée scolaire au Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Je vous remercie d'avoir choisi de confier l'éducation de votre petit au CECCE, le plus grand réseau francophone d'éducation en Ontario et le plus grand réseau francophone d'éducation catholique au Canada. Soyez assurés que votre enfant sera encadré et accompagné par des enseignantes, des enseignants, des employés professionnels qui permettront à votre enfant de se développer à son rythme et à son plein potentiel. Bonne soirée à tous et j'espère que ce sera informatif. À toi, Jean-François. Merci bien, conseiller Boudria. Merci de vous être joint à nous ce soir. C'est bien apprécié. Et on me dit que de nombreux parents en ligne, peut-être même avec les enfants,
Encore une fois, merci de nous accueillir dans vos salons à 19h05. Là, je sais que pour certains, c'est peut-être l'heure du dodo. Là, je parle pas des parents, mais peut-être plus des enfants. Mais merci encore de nous accueillir chez vous ce soir. L'entrée à la maternelle, c'est un moment très important dans la vie d'un jeune enfant. C'est un moment clé qui va vraiment dicter son apprentissage, sa vie scolaire pour plusieurs années à venir. Et puis, c'est de ce dont on va parler ce soir. Donc, d'abord, un grand merci parce que nous avons envoyé au niveau du conseil un questionnaire il y a déjà à peu près une semaine et demie. Et puis, nous avons recueilli les questions qu'avaient les parents. Et puis, je ne vous cacherai pas, on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions par rapport à la COVID-19. On a eu toutes sortes de questions par rapport à la francisation, à l'apprentissage par le jeu. Et puis, ce soir, nous allons faire de notre mieux pour regrouper ces questions-là par thématique et puis pour les défiler là, pour vous dans l'espoir que vous allez quitter ce soir avec plus de réponses que de questions. Mais c'est sûr que ça va peut-être en susciter d'autres. Et puis, vous savez, nous avons des équipes extraordinaires, autant au niveau de l'école, les équipes de maternelle jardin avec l'éducatrice et l'enseignante, l'éducateur, l'enseignant des fois aussi. Mais les directions d'école sont là aussi pour vous appuyer, pour appuyer cette transition-là. Donc, avant d'aborder les thématiques, je vais vous dire, ça fait drôle. C'est ma première web diffusion en direct. J'en ai fait une. Non, c'est pas vrai. C'est une deuxième. C'est la première que j'anime. Ce matin, j'étais en web diffusion avec les entraîneurs de l'école du Collège catholique Samuel Genet à faire un entraînement avec mes filles, mes jumelles. Et puis, pourquoi Jean-François Barre qui nous parle ce soir? C'est qui ce monsieur-là? Mais je vais vous donner une petite idée. Je suis surintendant de l'éducation. J'entends maintenant ma cinquième année à la surintendance. Mais j'ai un parcours quand même assez intéressant au niveau de la petite enfance. Et puis, tout a commencé alors que j'étais à la faculté d'éducation, où j'ai fait un stage dans une classe de maternelle. J'ai beaucoup aimé mon expérience avec les tout-petits, même que pendant ma carrière d'enseignant, à trois différentes reprises, j'ai enseigné dans des classes de maternelle. Je les ai jamais appelées des classes de paternelle. Hein. Ça se peut des fois quand c'est un monsieur qui enseigne une classe de paternelle, mais ça n'a jamais été le cas. Ça a été des classes de maternelle. J'ai apprécié ce côté-là de ma personne. Et puis, j'ai beaucoup aimé ces années-là. Puis, c'est l'ironie du sort. C'est alors que mon épouse est enceinte pour une quatrième fois, nous avons appris que nous allions avoir des jumelles, puis des jumelles identiques en plus. Je suis donc papa de 5 enfants et lorsque je suis passé à la direction adjointe à l'école de la Découverte, j'étais directeur adjoint à mi-temps. Et puis ma deuxième mi-temps, j'enseignais dans une classe de maternelle. Et puis mon grand rôle, c'était de gérer toute la marmaille. C'est comme ça qu'on appelle ma famille de 5, là, mais de la Découverte, il y en avait des petits de 4 et 5 ans. Nous avions tout près de 240 élèves en maternelle jardin à l'époque, avant la construction là, de l'école Alain-Fortin, dans un secteur d'Orléans qui était en pleine croissance. Donc, je vous présente, j'ai décroché ça du mur avant de commencer. Je vous présente, j'ai essayé de l'amener ici. Tiens, ce sont mes enfants. Il a beaucoup de lumière. Voilà. Les petites jumelles que vous voyez, Laurélie et Elodie ici, sont à peu près en première année. Là. Et puis, les garçons en arrière, Jean-Félix et Émeric ici, sont en cinquième et septième année. Pamiliane est en troisième. C'est le 7 qui est au milieu. Ils sont beaucoup plus vieux maintenant, mais mes jumelles viennent de célébrer leur cérémonie de graduation virtuelle hier matin. Et puis, mon plus vieux s'apprête à le terminer. Il termine cette semaine là, son secondaire et les prochaines étapes là, sont les études universitaires. Mais bon, papa de 5, je suis passé par là, la maternelle, l'entrée à la maternelle 5 fois comme papa. Je l'ai vécu à 3 reprises comme enseignant et puis à 8 reprises comme direction d'école. Et puis, le dossier de la petite enfance m'a toujours suivi au niveau professionnel parce que depuis mes 5 ans au conseil comme surintendant de l'éducation, ben j'ai le dossier de la petite enfance. Donc, c'est un dossier qui me passionne. Je pourrais en parler des heures et des heures. C'est pas l'idée ce soir, là, compte tenu là, que tout le monde a sûrement d'autres choses à faire. Ça va me faire plaisir de transiger avec vous ce soir. On en a peut-être pour une demi-heure là, au niveau des sujets, des thématiques et de la matière. Donc, sans plus tarder, entrons tout de suite dans la matière. Comme je vous ai dit, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions par rapport à la COVID-19. Et vous savez, ça, je vous l'assure, la priorité du CECCE demeure plus que jamais la sécurité et le bien-être des élèves et du personnel scolaire. On est en train, depuis un certain temps, là, plusieurs semaines, voire même un mois et demi, deux mois, à planifier une rentrée scolaire qui respectera toutes les exigences gouvernementales ainsi que de santé publique.
Nous avons des surintendances qui siègent sur différents comités avec Santé publique. Nous sommes bien placés aussi avec les entités, différentes entités du ministère de l'Éducation pour se tenir au courant de ce qui s'en vient. Mais je dois vous dire qu'on a peut-être pas autant de réponses qu'on aurait voulu ce soir par le fait même que nous sommes en attente de certaines lignes directrices de la part du ministère. Ceci étant dit, nous y avons travaillé à notre plan de retour. Et à cet effet, un guide a été élaboré pour rassurer les parents sur toutes les mesures qui seront prises et qui seront mises en place par le conseil. Le guide, d'ailleurs, a été acheminé à tous nos parents, mais si vous êtes un parent pour l'an prochain, que votre enfant est présentement à la qui n'est pas encore à la maternelle, ben vous savez que le guide est disponible sur le site web du CSSCE en allant voir là, sur le site écolecatholique.ca. Donc, je vous invite à aller visiter le site web, sûrement après le webinaire, pour aller en prendre connaissance. C'est à noter toutefois que ce guide est en constante évolution. Et les informations que vous y retrouvez sont ajoutées et sont même ajustées selon les recommandations ministérielles, les recommandations de santé publique, mais aussi selon la rétroaction reçue des parents, qui sont nos premiers partenaires en ce qui a trait à l'éducation des enfants. Ce qui m'amène à peut-être une histoire intéressante pour vous. Nous avons reçu, après la publication ou l'envoi, le premier envoi du guide, beaucoup de questions de parents qui ont des enfants justement qui sont présentement maternels qui s'en vont au jardin ou des parents que les enfants commencent à la maternelle par rapport à l'habillement. Parce que une des consignes qui nous a été donnée, qui a été donnée en province, c'est qu'il faut vraiment limiter tout ce qui entre à l'école et qui retourne à la maison. Donc, autant au niveau du sac d'école, la boîte à dîner, puis ainsi de suite, il faut faire attention à tout ça. Et puis, bon, mais une des modalités qu'on a adoptées dans le guide, c'est que l'enfant, il n'y aura pas de changement de souliers, il n'y aura pas de changement de souliers qui vont rester à l'école, qui retournent à la maison, puis ainsi de suite. Mais là, ça a inquiété des mamans et des papas qui nous ont écrit pour nous dire, ben qu'est-ce qu'on va faire pendant la saison de pluie? Qu'est-ce qu'on va faire à l'hiver avec les bottes d'hiver? On ne peut pas laisser les jeunes se promener dans la classe en bottes d'hiver. Et vous avez tout à fait raison. Donc, c'est pour ça que je tiens à le dire. Là, le guide, c'est vraiment les principes de base. C'est les principes sur lesquels on a des certitudes, mais il est en constante évolution et il va être évolutif selon les différentes saisons. D'ailleurs, nous avons présentement toute une équipe, autant des gens de l'équipe de la petite enfance que des directions d'école, que des gens du service au soutien à l'apprentissage, qui sont en train d'élaborer des mesures de sécurité, de socialisation pour nos enfants de bas âge, nos enfants de maternelle-jardin, pour s'assurer que leur expérience scolaire en soit une positive, même en cette période de déconfinement. Donc, sachez que le guide est accessible, le guide est là pour vous, mais ce n'est pas un guide final, il est en constante évolution et c'est bien important pour nous que vous le sachiez parce que nous sommes à l'écoute, autant, comme je l'ai dit, des entités ministérielles et locales au niveau des bureaux de santé publique, mais aussi au niveau de ce que les parents ont à nous dire. Donc, gênez-vous surtout pas de partager ces informations-là avec nous lorsque vous avez des questions ou des inquiétudes. Vous savez, les élèves, vos enfants seront accueillis dans un environnement sain et chaleureux où un protocole d'accueil empreint de bienveillance sera mis en place pour assurer une entrée à l'école en douceur. Et d'ailleurs, les gens de premier plan, puis d'ailleurs plusieurs d'entre vous comme parents avaient eu la chance de participer aux différentes soirées de bienvenue à la maternelle qui se déroulent dans les écoles du CSSCE, soit par le biais d'une présentation PowerPoint, par le biais d'une soirée Google Meet, des rencontres virtuelles. Et puis les directions et les enseignantes et enseignants, éducatrices, éducateurs de la petite enfance ont vraiment à cœur cet accueil-là, et sans savoir ce qui nous attend. Ce qu'on sait par contre, et ce que je peux vous partager, c'est que l'ensemble de nos classes, et ça ne change pas, ce sont tous des classes de maternelle-jardin. Le programme de maternelle-jardin, c'est vraiment le programme de jardin d'enfants, c'est un programme de 2 ans. Et puis, comme conseil, depuis le lancement là, des classes qu'on appelle PMJE, les programmes de maternelle-jardin d'enfants, sont des classes combinées. Donc, nous avons des petits de la maternelle qui partagent la classe avec des moins petits, des un peu plus grands, du jardin. Et ce qui fait en sorte que les enfants du jardin ont déjà connu toute une année au cycle préparatoire, connaissent bien les routines, c'est bien ancré. Et ce qu'on a remarqué au niveau du système, c'est que la transition de l'enfant
qui entre en maternelle se fait de façon beaucoup plus accélérée parce qu'il peut compter sur des bons modèles qui ont à peine un an plus vieux, un an de plus que eux, mais qui leur donnent les bons exemples, qui servent vraiment comme modèle, que ce soit pour les routines de lavage de main, les routines de la collation, la routine pour aller prendre son rat, pour aller à l'extérieur, et ainsi de suite. Et puis, votre enfant qui débute en maternelle, bien, l'année d'après, dans ces classes combinées-là de maternelle-jardin, va aussi avoir la chance de servir comme modèle pour la prochaine cohorte d'élèves qui vont arriver en classe. Nos enseignantes et enseignants maternels-jardins sont des gens dévoués. Les éducatrices et éducateurs de la petite enfance sont des gens extraordinaires également, forment d'excellentes équipes. Mais je l'ai dit au début, l'équipe pédagogique, l'équipe de l'accueil à l'école, ça l'inclut aussi les parents. Et comme parents, vous avez un grand, grand rôle au niveau de la continuité là, de cette transition-là vers l'école pour votre enfant. On vous encourage fortement à communiquer régulièrement avec le personnel scolaire. De moins en moins d'écoles ont des agendas papier. Beaucoup, beaucoup de la communication se fait maintenant par courriel. Mais peu importe la méthode qui est adoptée par l'école, on vous encourage à communiquer avec les enseignantes, les enseignants, les éducatrices, éducateurs pour voir comment chemine votre enfant. Vous savez, moi, je vous ai dit que c'est papa de 5. Si c'est votre aîné qui commence à l'école l'an prochain, ça va être dur. Que ce soit une période de déconfinement ou non, c'est toujours plus dur de laisser aller son plus vieux. Bon, moi, j'en ai 5. Arrivé aux jumelles l'an dernier, c'était pas plus facile. Peut-être un peu par le fait qu'elles étaient 2. Mais ce que je connais des autres parents, c'est que c'est toujours plus difficile avec le plus vieux et c'est toujours difficile avec le dernier parce que c'est quand même un moment dans la vie de l'enfant qui est quand même assez magique. C'est pas que c'est pas important pour les autres, c'est que comme parents, on a une meilleure idée, une meilleure appréciation pour ce qui s'en vient, pour comment anticiper cette rentrée scolaire-là. Mais si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que vous êtes curieux pour savoir comment aider, comment appuyer votre enfant. Et aujourd'hui, je vais vous donner le plus de réponses possibles à vos questions que vous nous avez soumises. On parlait de l'entrée échelonnée. Vous savez, nos élèves qui cette année sont en maternelle commenceront l'année prochaine au jardin. Je vous en ai parlé un petit peu. Mais ces enfants-là n'ont pas été à l'école depuis la mi-mars. Donc, par le temps que nous arrivons à la rentrée scolaire prévue à la fin août, début septembre, puis là, mes mathématiques, là, je ne me suis pas préparé d'avance, là, mais avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Donc, un 5 mois et demi où ces enfants-là n'auront pas été en milieu scolaire. Donc, c'est important pour nous, au niveau de la rentrée échelonnée, qu'on accorde quelques journées de transition pour les grands du jardin. Donc, pour l'an prochain, il va y avoir un certain décalage pour les élèves de la maternelle qui arrivent à l'école. Ce n'est pas un grand décalage. Comme je vous ai dit, on parle de 2-3 journées qu'on va accorder aux enfants du jardin. Mais pendant ces journées-là, il va y avoir ce qu'on appelle l'entrevue d'accueil. D'habitude, l'entrevue d'accueil de 10-15 minutes. Cette année, on a bloqué des 30 minutes pour s'assurer que les familles avec l'enfant puissent passer tout le temps nécessaire avec l'enseignante, avec l'éducatrice de la petite enfance, pour partager leurs questions, leurs inquiétudes, mettre tout le pain sur la planche pour bâtir cette relation-là. Parce que comme je vous l'ai dit, puis je vais sûrement vous le répéter encore, c'est essentiel cette relation-là entre le parent, les parents, la famille et l'école. Donc, ça couvre un peu la rentrée échelonnée. Si on passe à un prochain point, je peux vous dire que mes collègues et moi, au niveau de l'administration, et puis les directions d'école aussi, on est très, très conscients que l'imposition de mesures de distanciation physique chez les tout-petits peut être vraiment très complexe à appliquer. Même qu'il y a toutes sortes d'experts qui ont toutes sortes d'opinions sur tout ce qui concerne la distanciation physique et sociale chez les enfants. Mais c'est pour ça que le conseil a quand même développé des outils. En salle de classe, des comportements qui vont être enseignés de façon explicite aux enfants. Mais d'ici là, parce qu'il nous reste encore un bon 2 mois avant la rentrée scolaire, ce que je vous encourage, il y a 2 choses que je vous encourage à faire comme parent avec votre enfant. La première, sans parler de distanciation sociale, distanciation physique, vous pouvez commencer à parler de votre enfant de sa bulle d'espace. Hein? Puis sa bulle d'espace, mais c'est quoi? Mais comme une fois qu'il tire ses bras là, puis il fait une forme de bulle, un cercle autour de lui, bien c'est sa bulle d'espace à lui. Puis, il se pourrait fort bien qu'arrivé à la rentrée scolaire 2021, qu'on demande à l'enfant là, de respecter cette bulle-là.
Mais on sait très bien que chez les petits de maternelle-jardin, le jeu est important. Tantôt, on va parler de l'apprentissage par le jeu. Et on veut s'assurer qu'on crée des opportunités, des temps où l'enfant va être, bon, pas en contact physique, mais en présence de d'autres, tout en respectant les normes qui vont nous être données par le ministère et les bureaux de santé publique. L'autre conseil que j'ai pour vous en cette préparation-là, en ce qui a trait à la pandémie, la COVID-19, c'est toute l'histoire du lavage de mains. Ce n'est pas une histoire d'ailleurs. C'est ce que les médecins nous recommandent. C'est ce que nous, on recommande à notre personnel. C'est ce que le personnel va recommander aux élèves. Et puis, c'est vraiment là, les bonnes pratiques de lavage de mains. Et puis, merci à Santé publique Ottawa parce que je sais qu'il y a quelques années, ils ont fait une campagne publicitaire pour démontrer comment bien se laver les mains là, en laissant couler l'eau d'abord, en passant les mains sous l'eau un bon 10 secondes, en prenant le savon, en frottant encore ses mains un autre 10, 15 secondes, en rinçant ses mains, en les séchant comme il faut. Donc, c'est toutes des étapes très, très importantes. Et bon, moi, j'ai 5 enfants. Mon deuxième, ben, il était toujours prêt à la prochaine activité. Et puis, pour lui, ben, le lavage de mains, c'est une activité, c'est quelque chose avec lequel, dans le contexte d'aujourd'hui, je me serais assuré de lui montrer comment prendre son temps pour bien laver ses mains, dans l'objectif là de ne pas justement attraper ou répandre le virus. Et puis ces pratiques-là de lavage de mains sont excellentes. Dans les écoles, c'est achou dans le coude. Ça aussi, c'est des choses qu'on peut commencer à faire à la maison. Mais si vous allez sur le site du conseil, vous allez pouvoir trouver toutes ces informations-là dans le guide de la rentrée. Donc, beaucoup de parents nous ont dit, et puis avec raison, que la situation actuelle a transformé la vie des gens. Hein, on le sait, on le vit. Moi-même, là, qui fais un fameux webinaire à partir de mon salon, plutôt que de vous rencontrer en personne, bien, c'est certain que les enfants la ressentent, ces changements, ressentent les changements et ressentent peut-être aussi de l'anxiété, d'autres émotions intenses par rapport à ce qu'ils vivent à la maison. Ça, c'est sans compter le fait qu'ils vont entrer à la maternelle. Et puis, le stress ou l'anxiété chez les jeunes enfants, c'est de plus en plus connu. Hein, c'est pas quelque chose qui commence plus tard dans la vie. Nous pouvons avoir des jeunes de 3-4 ans qui vivent des moments d'anxiété. Et puis, de ce côté-là, soyez rassurés que des ressources seront mises à la disposition des élèves pour soutenir ceux et celles qui éprouvent des besoins d'y faire appel. On a une équipe extraordinaire au Conseil de travailleurs et travailleuses sociaux qui sont dévoués, qui font partie de nos équipes de retour au travail, qui sont très, très, très présents dans les écoles et puis ils vont pouvoir vous soutenir les enfants qui en ont besoin. Mais vous, de votre côté, une des questions qu'on a eues des parents, bien, c'est quoi les signes de l'anxiété? Et puis, c'est peut-être des choses que vous avez déjà remarquées dans différents contextes. C'est peut-être des choses que vous allez remarquer avant la rentrée scolaire. Mais des signes typiques, on compte des maux de tête, surtout quand un enfant n'en a pas fréquemment et que les maux de tête s'accentuent, tout comme des maux d'estomac. L'enfant qui a mal au ventre, ça peut être un signe d'anxiété. Un enfant qui a une diminution d'appétit également, ou même qui peut avoir un accroissement d'appétit. Bon, mais l'accroissement d'appétit, il faut faire attention parce que des fois, c'est un signe de croissance aussi. Mais l'appétit de votre enfant peut être un signe précurseur là, qui vous dit que l'enfant peut faire peut-être de l'anxiété. C'est sûr que les troubles du sommeil et les cauchemars, ce sont des signes très, très présent chez les enfants qui font de l'anxiété. Besoin constant d'être assuré par papa et maman par rapport à toute petite chose que l'enfant va faire. Des changements au niveau émotionnel comme de la grosse colère, de la tristesse, de l'irritabilité, des lamentations. Bon, puis c'est sûr que, je vais vous parler souvent, je pense, de mes 5 enfants. Chaque enfant a sa personnalité propre. J'en ai une, je ne dirais pas laquelle, mais qui se lamente plus que les autres. Mais ça fait partie de sa personne. Par contre, si ma petite demoiselle qui se lamente plus que les autres se lamente encore davantage, bon, mais ça peut être un drapeau qui lève. Sans dire, j'allais dire, bon gars, mais j'en ai deux, mais un de mes garçons, sans le nommer lui non plus, un petit peu plus facilement irritable. Mais dans son cas, à lui, c'est pas nécessairement un signe d'anxiété. Par contre, quand cette irritabilité-là, elle est plus fréquente, elle est plus vive, tout d'un coup, là, on commence à avoir des signes plus évidents.
Et puis l'isolement. Un enfant, c'est sûr qu'il y a des enfants qui sont plus introvertis que d'autres, mais un enfant qui s'isole, c'est que, parce que souvent parce que cet enfant-là a quelque chose qui le tracasse. Donc, c'est important là, d'essayer de voir là, comment quelle est la source là, de cette volonté-là de s'isoler. Donc, comment aider son enfant à réduire son anxiété? Il y a plein de trucs. Moi, je ne suis pas travailleur social, je ne suis pas psychologue, mais ce que je vous apporte là, c'est des informations qui sont éprouvées par la recherche qu'on retrouve là pour conseiller nos propres gens au sein du conseil. Une des premières choses les plus importantes pour un enfant en maternelle, c'est d'instaurer des routines. C'est sûr que pendant l'été, la routine va être très différente que vous faites du camping, que vous voyez plus tard ou peu importe, mais avant de débuter l'école, là, puis souvent, là, peut-être une semaine, des fois deux semaines avant cette entrée scolaire-là, ben, ça va être important d'établir des routines dans la mesure du possible, des dodos à la même heure, à tous les soirs. L'heure du bain ou quoi que ce soit, si c'est à tous les jours, ben, c'est à la même heure, si c'est à tous les deux jours, ben mais on maintient ces routines-là pour les repas dans la mesure du possible. Donc, toute cette routine-là est importante parce qu'à l'école, je ne vous le cacherai pas, c'est assez routinier. La cloche, elle sonne toujours à la même heure. Le dîner, à moins qu'il y ait un spectacle à l'école, le dîner va toujours être à la même heure. Les autobus vont arriver en fin de journée à la même heure également. Donc, cette routine-là, ça devient une forme de sécurité pour l'enfant. Un enfant qui a besoin de réduire son anxiété, une autre chose qu'on peut faire, ben c'est de lui montrer comment respirer lentement. Hein, les techniques de respiration sont très bonnes, puis ça se montre, ça s'enseigne à des jeunes enfants. Donc, on vous encourage à le faire, là, justement, lorsqu'il est en crise. Là, surtout, là, je parlais tantôt des enfants qui démontrent des signes de colère, d'irritabilité, de tristesse. Leur apprendre à respirer. Parlez toujours d'une voix douce et calme, c'est très, très important. Et puis, comme parent, quand on a un enfant, justement, qui s'irrite ou quoi que ce soit, mais que c'est pas dans son tempérament normal, c'est important d'aller voir, d'aller lui parler, de le rassurer. Mais cette voix douce et calme-là, ça a un effet calmant et rassurant pour l'enfant. Donc, c'est important, comme parent, d'attendre qu'on se sent calme et en contrôle avant de discuter avec l'enfant, parce que nous sommes humains. Nos enfants, des fois, nous font grimper les murs. Et puis, c'est important de prendre le temps de bien préparer cette intervention-là et de s'assurer que nous-mêmes, on soit prêts à y faire face. J'ai parlé d'écoute. L'écoute active est de grande importance. Votre enfant qui a des soucis par rapport à quoi que ce soit, mais c'est important de prendre le temps de l'écouter. Et puis, lorsque votre enfant va être à l'école, lorsqu'il semble anxieux par rapport à différentes choses et qu'il vous en parle, ben ne prenez pas 2 mois, 3 mois avant de communiquer avec l'école. Au tout début, je vous disais là, que le partenariat entre l'école et la famille est d'une grande importance. Ben, un petit courriel, une petite note dans l'agenda à l'enseignante, à l'éducatrice, ça peut aller loin. Juste pour valider si ce qui se passe avec l'enfant, si c'est vrai que tu as peut-être eu un conflit une journée avec un tel élève. Et puis des fois, ça se peut que l'enseignante ou l'éducatrice ne se sont pas rendus compte qu'il s'était passé une situation particulière, mais ça les avise qu'il y a peut-être quelque chose. Donc là, tout le monde est aux aguets, puis tout le monde travaille ensemble pour appuyer l'enfant là, dans avec ces défis-là. Donc, il ne faut pas se gêner. La communication entre le foyer et l'école est de grande importance. Et je tenais absolument à vous partager. On a parlé d'anxiété. Je vous ai dit au début qu'on allait parler un petit peu de l'apprentissage par le jeu. Notre programme de maternelle jardin, c'est un programme d'apprentissage par le jeu. Et puis, ben, pourquoi le jeu? Ben, c'est vraiment pour que l'enfant puisse donner un sens à son univers. Et puis, c'est notre chance de laisser l'enfant explorer le monde qui l'entoure. Semblerait, selon certaines recherches, que la créativité des enfants est à son plus haut niveau lorsqu'ils ont 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et puis, le plus on vieillit, le plus notre imagination et notre créativité diminuent. Et puis, il faut prendre avantage de ces moments-là. Là. Donc, autant à la maison qu'à l'école, l'apprentissage par le jeu est de grande importance. Donc, à la maison,
d'ici la rentrée scolaire, là, moi, ce que je vous encourage de faire, c'est de donner le plus souvent possible l'occasion à votre enfant de jouer et laissez-lui le temps de faire son jeu sans l'interrompre. Hein. Des fois, ils vont nous inventer toutes sortes d'histoires puis nous amener sur une autre planète où ils vont parler d'une grosse bébite ou d'un monstre ou quoi que ce soit. C'est pas le temps de dire à l'enfant ça n'existe pas des monstres, cette planète-là, c'est quoi cette histoire-là. Ils vont parler dans un langage extraterrestre. J'en ai un, oui, justement, puis il parlait vraiment de façon particulière. Et puis, c'est important de le laisser faire. Bon, c'était sa voix d'un personnage qui était dans ce jeu-là. Mais les enfants, des fois, font pas toujours la différence entre le jeu et la réalité, puis ainsi de suite. Puis c'est correct. Il faut les laisser développer cette créativité-là. Mettez à leur disposition des jouets, des accessoires variés avec lesquels ils peuvent s'amuser. Je sais que dans les écoles, dans les classes de maternelle jardin, c'est plein de jeux. C'est plein de matériel manipulatif. Ça ne changera pas. Ça, là, avec la COVID-19, ça ne changera pas. Justement, on est à travailler l'équipe de la petite enfance avec des partenaires des centres de garde dans nos écoles, les services de garde, les camps d'été. On se rend compte que le jeu et puis la manipulation d'objets, qu'on ait des dinosaures ou des autos ou quoi que ce soit, c'est très important. Puis la beauté de la chose, puis bien que nous allons devoir nettoyer ces accessoires-là de façon régulière, ça va demeurer dans la salle de classe. Du matériel, par contre, c'est pour ça au niveau du développement durable, comme conseil scolaire, on a un grand focus là-dessus. Il n'y aura peut-être pas de pâte à modeler, par exemple, dans les salles de classe. Parce qu'au niveau de la pâte à modeler, ben après un usage, on ne pourra pas nettoyer. Puis j'ai l'impression que quand on met ça sous l'eau puis le savon, la pâte à modeler risque de s'effriter. Bon, est-ce qu'il y aurait la possibilité, moi, quand mon plus vieux avait commencé l'école, l'enseignante de maternelle, demandait à chaque famille de faire de la pâte à modeler, envoyer à la maison une recette de pâte à modeler, puis ce bac, dans un pot de Ziploc ou Tupperware ou peu importe, ça allait à l'école, ça devenait le bac de l'enfant, bien, il y a peut-être des solutions comme ça qu'on va pouvoir amener. Mais c'est sûr que tout ce qui ne peut pas être lavé doit être jeté. Donc, comme conseil, avec un focus sur le développement durable, bien, on va vraiment travailler avec vos enfants, mais avec des objets qui se lavent de façon régulière. Puis quand je dis régulière, ça va être à tous les jours, et si pas entre chaque activité aussi. Là. Donc ça, on va y voir. À la maison, d'ici la rentrée, là, allez dehors avec votre enfant. Puis il fait tellement beau. Puis c'est, moi, mon bureau présentement est dans mon salon. J'ai la fenêtre sur la rue. Présentement, là, il y a un papa qui se promène avec sa fille et son garçon en vélo. C'est un temps particulier, cette période de confinement, mais il faut quand même profiter de ce que nous avons. Et nous avons cette liberté-là à l'extérieur. Vos enfants, lorsqu'ils sont à l'extérieur, se retrouvent dans un milieu où l'imagination peut être très large. Laissez-les se créer toutes sortes de scénarios. Si vous avez un enfant, votre garçon, votre fille aime grimper les arbres, bien, laissez-les grimper un petit peu aussi, puis découvrir les hauteurs et ainsi de suite. Restez proches, hein, il faut rester prudent. Mais souvent, on a trop tendance d'essayer de les ramener à côté de nous, de les garder tout près. Comme un tout bon parent, soyez prêts, soyez aux aguets. Mais c'est important de laisser les enfants faire ces découvertes-là. Et puis, je pense que pour moi, ce qui a été le plus difficile, puis je ne l'ai peut-être pas appris comme parent, je l'ai peut-être plus appris comme enseignant, mais lorsqu'on parle du jeu, surtout le jeu libre, il faut éviter d'imposer nos règles quand on joue avec nos enfants. Laissez les jeunes diriger le jeu, laissez-les créer leurs propres règles et embarquez dans son jeu à lui. Faites confiance à votre enfant. Ils vont vous surprendre. Donc, ce sont des petits conseils qu'on peut vous partager. Pour revenir à la salle de classe au niveau de l'apprentissage par le jeu, bien, je tenais à vous dire qu'au niveau de la théorie, le jeu permet à l'enfant de tester ses idées, ses théories à lui. Donc, pour toutes sortes. Là, je n'ai pas un exemple qui me vient en tête. Oui, j'en ai un d'ailleurs. On était en visite dans une salle de classe. Et puis, un enfant qui est rentré de la récré avec, il y avait 2 ou 3 fourmis dans les mains. Et puis, l'enfant voulait voir là, s'il pouvait rentrer des fourmis. L'enseignante, c'était peut-être éducatrice ici, a laissé l'enfant là, rentrer des fourmis. Bon, mais là, qu'est-ce qu'on allait faire avec les fourmis? Ben là, il voulait pas qu'ils s'échappent. Mais là, qu'est-ce qu'on peut faire pour pas qu'ils s'échappent? Ben, on peut peut-être les mettre dans un pot de yogourt. Mais le pot de yogourt, comme de raison, avait pas le couvercle. Donc là, les fourmis essaient de sortir. Donc, tout d'un coup, cette
expérience de vie-là a fait en sorte que les enfants de la classe ont adopté les trois petites fourmis. Bon, ils ne se sont pas toutes rendues toutes les trois à la fin. Là, on en a libéré deux sur trois. Mais c'est un apprentissage pour ces enfants-là de voir comment est-ce qu'on peut héberger temporairement cet insecte-là sans qu'il s'enfuit dans la classe puis qu'il a grignoté les restants dans le bac de recyclage, de compostage, peu importe. Donc, c'est important là de laisser l'enfant tester ses idées, ses théories-là. Parce qu'à travers le jeu, l'enfant va explorer, va manipuler, va construire, va créer, va questionner, va se poser des questions, il évolue. Et puis, dans nos classes, dans nos salles de classe de maternelle-jardin, on va continuer à offrir ces opportunités-là à la rentrée. Et comme je vous ai dit, les mesures de nettoyage vont être accrues. C'est peut-être pas tous les jours que ça va être les mêmes centres ou les mêmes activités en raison de cette rotation-là de matériel. Mais chose certaine, nous allons continuer à s'assurer que l'apprentissage par le jeu est très présent dans les salles de classe. Nous avons eu aussi beaucoup de questions, et puis celle-ci, je l'aime beaucoup, sur l'apprentissage du français. Et puis, je vais vous raconter que il n'y a pas si longtemps que ça, ça commence à faire plus longtemps. Alors que j'étais enseignant maternel à l'école Sainte-Bernadette, on est en 2006, je crois. Donc, ça fait quand même tout près de 15 ans. On disait aux parents, parce qu'on a beaucoup de familles qu'on accueille dans nos écoles, que c'est des familles, c'est des couples bilingues. Papa est francophone, maman est anglophone ou vice-versa. Des fois, le français, c'est la deuxième ou la troisième langue du couple quand il nous arrive peut-être de la Colombie ou du Liban ou autre. Et puis, on disait autrefois aux parents, le parent anglophone, que c'était son devoir d'apprendre la langue française. Ce n'est plus le cas. Je vous parlais tantôt des modèles jardin, l'élève, l'enfant du jardin qui modélise les choses pour l'enfant de maternelle. Mais au niveau de la langue, c'est pareil. Ce qui est important, c'est que le parent francophone continue à parler et puis à servir de modèle pour l'enfant. Mais on sait maintenant avec la recherche que l'enfant de bas âge là est en mesure d'apprendre deux langues, trois langues, quatre langues. Ce qu'il a besoin, c'est des bons modèles. On encourage par contre les parents qui parlent anglais ou une autre langue de passer du temps avec l'enfant à regarder des émissions ou des films en français, parce que ça peut être des occasions pour le parent anglophone d'apprendre le français lui aussi. L'importance des livres. Si vous ne lisez pas à votre enfant tous les soirs ou au moins une fois par jour, c'est le temps de le faire. Puis en cette période de confinement, quand vos enfants sont encore plus près de vous qu'ils le sont d'habitude, sûrement parce que pour plusieurs d'entre vous, vous êtes aussi confinés à la maison, je vous encourage à prendre le temps de lire. Puis pour des enfants de maternelle jardin, des enfants de 3 ans, de 4 ans, on s'entend là que des fois, là, une petite histoire de 5 minutes, ça peut être suffisant. Il y en a qui vont demander encore et encore et encore. Puis si vous êtes en mesure de livrer la marchandise encore, encore et encore, on vous encourage à le faire. Mais c'est très, très, très important de prendre le temps de lire en français avec votre enfant. Et puis, je pense qu'un message qui va revenir souvent, c'est au niveau du jeu, jouer en français avec l'enfant. Nous, dans nos classes, par exemple, lorsque vient le temps d'apprendre les langues, d'apprendre les mots, la syllabation, l'association de graphème, phonème, le son aux mots, ça se fait dans les centres de jeu. Donc, par exemple, dans le centre de la cuisine, on va avoir l'éducatrice de la petite enfance qui est là et puis qui va questionner les enfants par rapport aux différents items avec lesquels ils font de la popote ou des fois ils vont jouer à l'épicerie puis sont à la caisse puis ils passent à la caisse, la banane. Bon, mais la banane, qu'est-ce que c'est? C'est une banane. Donc, on fait répéter le mot à l'enfant. Quel son entends-tu? Puis là, à un certain stage là, de leur évolution en maternelle-jardin, j'entends le B, ba, 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 le A. On va faire répéter des mots, mais selon la capacité de l'enfant. Parce qu'on a beaucoup de parents qui pensent que l'enfant doit lire et écrire avant d'arriver à l'école. On va s'en occuper. Et même par l'apprentissage, par le jeu, l'apprentissage de la lecture, des lettres, des chiffres se fait également. Que ce soit en utilisant une ficelle pour faire des lettres, que ce soit dans l'air ou quoi que ce soit, les enfants vont apprendre à écrire leur nom, vont apprendre la base au niveau de l'initiation à la lecture. Je sais que ça se travaille de très, très près dans toutes nos écoles, au niveau de tout ce qui est tout ce qui se rapporte à la conscience phonologique, donc à la reconnaissance justement des sons et à la lettre à laquelle ce son-là se rattache pour que l'enfant soit en mesure, arrivant en première année, là, puis souvent avant,
de décoder, de déchiffrer, de lire des mots dans le contexte, ainsi de suite. Mais de votre côté, comme parent francophone, agissez comme bon modèle, puis comme parent d'une autre langue. And I'll speak to you in English for those parents that have made the decision to put their child in a French Catholic school. First of all, thank you for having the faith, for believing in our system. Thank you for entrusting us with your children, your child. But as a parent of the second language, it is important for you to support both your own language as well as French. Therefore, if there's any chance that you can you can speak with a child, watch, you know, French TV shows and play in French, even if it's a basic French, we encourage you to do so. But it's important for the francophone parent to make sure they're a good model when it comes to the French language as well. Donc, merci de nous envoyer, de nous confier vos enfants. Puis ça, je dis ça à nos parents anglophones, mais je dis ça à tous nos parents. Et puis là, je regarde le temps filer. Là, je vous avais dit environ une demi-heure, ça en fait 40 minutes. Du fond du cœur, je vous remercie de nous confier vos enfants. Si vous avez des questions, puis sûrement que vous en avez d'autres, puis tout ce qui a trait au retour post-confinement, les réponses plus précises s'en viennent. Elles vous seront fournies par le biais du guide du retour à l'école. Mais prenez le temps d'écrire aux directions d'école qui sont en poste là encore pour quelques semaines. Prenez le temps, lorsque vous allez avoir l'entrevue d'accueil, de vraiment prendre la demi-heure au complet qui vous est attribuée là, pour partager aux enseignantes et aux éducatrices, aux enseignants, aux éducateurs, le vrai portrait de votre enfant. Je vais vous dire un secret du succès, puis je vous ai parlé du partenariat. Il faut pas cacher. Si vous avez des inquiétudes par rapport à votre enfant, disons qu'au niveau du langage, vous trouvez que ça se développe pas rapidement, que si vous avez d'autres enfants, il faut jamais comparer ces enfants les uns à les autres, mais ça se peut que dans certains cas, il y en a qui apprennent la langue plus rapidement que d'autres. Et si vous avez des craintes, faites confiance à vos instincts parentaux. Mais parlez-en aussi à l'enseignante, à l'éducatrice, à l'enseignant, à l'éducateur de votre enfant. Parce que c'est en faisant équipe. L'enseignant qui et l'enseignante, l'éducatrice, l'éducateur de petite enfance qui a déjà l'information qui a été recueillie pendant cette entrevue d'accueil-là avec vous, que bon, ben on s'inquiète par rapport à sa mobilité globale. Tu sais, c'est un enfant qui est peut-être un petit peu palote, qui trébuche dans ses jambes, mais fréquemment. Donc, on s'inquiète pour sa motricité. C'est des choses qui se travaillent. Mais lorsqu'on a des yeux qui ont, des parents qui ont les yeux sur l'enfant à la maison, des matinées, soirées, fin de semaine, puis les intervenants dans les salles de classe, l'enseignante, l'éducatrice, l'enseignant, l'éducateur, qui ont, ils sont pas quatre, là, c'est parce que on sort du masculin du féminin, mais quand on a deux adultes dans la salle de classe qui ont aussi les yeux sur l'enfant, à différents moments donnés, sachant qu'il y a peut-être des inquiétudes par rapport à différentes choses, ben, cette communication bilatérale va se poursuivre. Et tout ça, dans l'optique de faire cheminer votre enfant et qu'il se développe comme il devrait se développer. Donc, que ce soit motricité fine, motricité globale, langagier ou quoi que ce soit, je vous encourage fortement à en discuter avec le personnel qui va travailler auprès de votre enfant. Et ce personnel-là, si vous ne l'avez pas déjà appris, ces informations-là vous seront transmises au courant de l'été, généralement avant la rentrée scolaire, pour que vous puissiez déjà commencer à établir les ponts. Sur ce, je vous souhaite une super belle soirée, un très bel été. Je suis convaincu qu'on va possiblement se revoir parce que je vous l'ai dit tantôt, une fois que le conseil obtient les modalités, pas juste notre conseil, tous les conseils attendent pour les modalités ministérielles du ministère de l'Éducation, nous allons tout de suite faire les modifications dans le guide. Comme je vous ai dit, je pense que ma collègue Danielle Chatin, qui dirige ce dossier, travaille avec de mémoire, laisser 13 ou 14 sous-équipes pour s'assurer qu'on couvre l'ensemble des différents enjeux. Mais lorsqu'on va avoir une bien meilleure idée de ce qui nous attend pour la rentrée scolaire, il va y avoir d'autres web diffusions comme celle-ci qui vont adresser ces questions-là également. Donc, sur ce, merci d'avoir passé les dernières 45 minutes avec moi. Je vous souhaite, comme je vous l'ai dit, un super bel été avec votre enfant, avec votre famille. Profitez du beau temps, profitez du plein air, jouez en français, amusez-vous pleinement et puis faites pas trop d'anxiété, inquiétez-vous pas, tout va bien aller et nous allons avoir une super belle rentrée scolaire. Peut-être différente de ce qu'on a connu, mais ça va être une belle rentrée pour votre enfant à la maternelle
pour l'année scolaire 2020-2021. Salut bien.